Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un quatrième, oui c'est le quatrième test rétro qu'on Tout à fait. fait. Et ben... Sur un jeu, on va dire, mythique. Ah Hein. bah sur un jeu mythique, oui ça, Voilà, tellement de plans sur ce jeu. des heures, Ah ouais, des mois, des 200, années. 300 heures passées dessus. Donc je pense que vous aurez tous reconnu que c'est GTA San Andreas. Voilà. Donc le dernier GTA de l'ère PS2. C'est ça. Et ça date. Ça date, ouais, putain. Alors, vas-y, balance les infos. Donc, mes chers amis, hein, bien sûr, on est toujours à Nono Life 1-2. Oui, c'est toujours Le nous. duo magnifique, hein. Magique. Sorti le 10 juin 2005 sur PS2, édité par Take-Two Interactive, développé par Rockstar Games, et évidemment, on joue notre merveilleux Carl Johnson, alias CJ, le black de service, Yes. qui revient de Liberty City, hein, donc de la ville du 3. La ville du 3, exactement. Voilà, et il revient parce que sa mère s'est fait buter. Oui, on va parler dans les termes de Oui, ah. GTA, hein. On va pas parler dans les termes sociologiques Il s'est fait d'aujourd'hui. déboîter sa race, t'as Ah, vu? ça fait en rigolette. Hein. Voilà, donc il s'est fait buter et nous on revient pour l'enterrement à Los Santos, notre première ville. La ville de CJ, la ville natale de CJ. Putain, Exactement. ça fait du boucan ce truc. Oh là là. Et Peut-être baisser le son de la télé voilà, baisse aussi, le parce son, ce que je serait bien. sens que ça va foirer, sinon, voilà. Et puis, du coup, il rentre dans la guerre des gangs malgré lui, et il est obligé de rester à Los Santos. Donc Exactement. voilà, et tout s'enchaîne. Donc là, on a speedé pour atteindre la deuxième île. Enfin, ouais, la deuxième... Deuxième partie de la ville. Voilà. C'est quoi? C'est le San Fierro? Non, là, c'est les Badlands. Les Badlands? C'est les Badlands, c'est juste avant d'arriver à San Fierro. D'accord, ok. Donc là, ouais, on arrive juste. On s'est fait embarquer par les flics. Hein, et du coup, là, on est en haut de la montagne. Je pense que vous l'aurez tous reconnu. Bon, l'avion, on n'y est pas à la base, en haut. Hein. Oui, On va pas vous cacher qu'on a utilisé les codes. Si peu. Si peu. Si peu. Parce 8 qu'on a millions de 8 millions de thunes, thunes. je pense que. Oui, c'est code de soi. Voilà. Donc voilà, on s'est amusé à faire les missions le plus vite possible pour atteindre cette magnifique montagne. On a fait le saut plusieurs fois en parachute avec le vélo. Histoire de se marrer. Voilà. Donc là, on va vous parler des fonctionnalités du jeu parce que je pense que vous les connaissez toutes, mais ceux qui n'auraient jamais fait ce jeu, ce qui est, je pense, très rare. Tu Hein. vas te planter, gros. Mais non, regarde, je suis un pro du stuntplane. Oh, oh la piste d'atterrissage, regarde. On va atterrir sur Ouais, récupère un meilleur avion quand même. Ouais. Saute. Non, Non, pas je. maintenant, je déconne. Non, c'est pas la Oh piste la trop d'atterrissage! merde! Oh là là, c'est C'est moche! plus à droite, c'est plus à Oh aïe droite. aïe, Aïe c'est bon. aïe. C'est bon. Bien joué, saute. Voilà, je suis Bien encore en joué. vie. Hop là. Bon, on va. Bon, il y a quand même des tonnes de nouveautés par rapport à Vice City. Hein. Oh oui. Bah déjà niveau graphisme. Ah bah oui. Bon, ça pique un peu toujours, mais quand même largement moins. C'est PS2. Hein. Voilà, c'est de la PS2, mais ça pique quand même largement moins que le Vice City ou GTA 3, parce que ça faisait quand même ma mesure. Hein. Bah le fait déjà de pouvoir tourner la caméra à Voilà, ça 360 pour moi degrés. c'était la grande révolution, hein, faire ça. Et franchement, Ouais. ça sauve franchement plein de fois dans le jeu, dans les gunfights ou quoi que ce soit. Non, T'as mais. pas ton Oh permis. putain, c'est vrai! Bon, on va essayer de trouver une voiture. On fait apparaître un avion. Ou on peut faire apparaître un avion. Hein. Ou Attends. Désolé, on va être obligé de faire les codes. Donc, voilà. Grande révolution pour ce jeu, la caméra à 360 degrés. Dans celui-là, il peut nager, oui, parce qu'il n'a pas peur de l'eau. Il n'est pas aquaphobe, on va dire ça. Aquaphobe? Aquaphobe? Ouais, Oui. je pense. Ouais, aquaphobe. Je l'ai Aguaf ouais, aquaphobe. Il aime pas les araignées, quoi. pas. Il n'aime pas la foule. Oh, punaise. Bon, faut dire qu'on n'est pas sobre, mais bon, après, ça, c'est autre chose. Comme d'habitude. Voilà, non, mais franchement. Ce jeu, on y a passé des heures et des heures monumentales. Et les nouveautés, ils sont pour quelque chose. Hein. Comme on disait, on peut nager, et ça, c'est énorme. Bah, le nombre des Le nombre véhicules de véhicules. Alors, franchement, et là, les je crois véhicules différents. on peut utiliser tous les types de véhicules possibles et imaginables. Sauf ouais, il n'y a pas le jet ski, hein, c'est le seul truc qu'il n'y a pas. Non. Non, non, pas dans celui-là. Il est dans Vice City Stories, si je me Voilà. souviens bien. Donc, celui-là, on n'a pas. Ouh, masse musculaire. Oui, alors ça c'est une nouveauté Oui. magnifique aussi. Hein. Masse musculaire, on pouvait améliorer soit notre musculature, soit notre graisse. Ah bah descend et fais L1, tiens. Voilà, alors oui. Là, L1 touche des stats.
Donc là, on voit le respect, l'endurance, qui est l'endurance, c'est la course à pied. Ouais. Le muscle, ben voilà, c'est à force de courir aussi. Hein, ça, à force de courir, quand après, quand tu frappes, tu tues plus facilement. La graisse, ben, c'est en bouffant. Mais on a bloqué la fin de CJ pour pas avoir de contraintes par rapport à ça pour jouer correctement. Et le dernier, c'était le sexe à pied. Voilà. Donc nous, on est torse poil et apparemment, ben, ça plaît pas. Ouais, ça plaît pas, c'est pas mal. Voilà. Oh, le baggage. Oh. Alors, le truc qui avance pas, le truc électrique. Ah, voilà, donc ça, il y était dans les autres GTA hein, aussi. Si, si, il y était. Ouais. Il y était aussi, sur les autres aéroports. En même temps, Péta Révolution, s'il n'y était pas. Hein, ouais. Par contre, il fait pas beau et j'aimerais sortir de cet aéroport de merde. Alors. Non, on va prendre un hélico, tiens. Tu peux pas, je pense. Putain, merde, c'est vrai. Enfin, essaye, hein, mais. Non, non, je pense pas. Il faut le permis. Alors, oui, en parlant des permis, voilà. Alors, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité des GTA. Ah, ouais. Ta sœur. Putain, il y avait. T'as une voiture là-bas. Il y avait les permis de conduire de tous les véhicules. Volant et terrestre. Bateau, moto, et voiture, maritime aussi. Voilà. Et avion. Avion, voilà. Ça, c'est une voiture rare. On peut pas la. Et on peut pas la. si tu la défonces à coup de batte de baseball, si tu défonces la portière, tu peux rentrer dedans. Je crois pas. Si ? Non, non, non. Ah, mais je te le dis. Tant que la portière est fermée, ça marche pas. Hein. Tu vas voir mon cul, ça marche pas. T'es sûr ? Ah, je suis quasiment sûr. Ah bah, je me souviens pas de ça. Oui, parce que ça, là, on a enchaîné l'émission pendant les 1h, 1h30. 2h45, voilà, exactement. Exactement. Pour atteindre cette putain d'île de merde. Non, mais franchement, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. À part casser des voitures, ça marche pas, t'as vu, je t'avais dit. Délinquant. Putain. Voilà, on lancera peut-être une mission si on y arrive un jour. On va te faire apparaître un dodo, tu vois. Oui, et c'est pour voir le pas de ta femme. Mais bon, ça, c'est autre chose. Non, parce qu'on la fait pas apparaître. Ça marche pas. Des fois, j'essaie de la faire disparaître, mais j'y arrive pas. Non. Oh non, mais c'est super moche que tu viens de dire. La peau. Pardon, ma puce. Voilà. Non, mais ouais. Voilà, donc il y avait permis voiture, avion, hélico. Après, il y avait moto aussi, ouais. Ouais. Enfin, moto, c'était compris avec la voiture. La voiture. Voilà. Si je me souviens bien. Le vélo, chez le vélo. Non, le vélo pas. Mais c'était un véhicule utilisable. Le jetpack aussi, qui franchement est super utile dans certains moments. Jetpack, c'est carrément énorme. Est-ce qu'on peut sortir? Ah, mais ils ont été très très loin. Ouais, c'est. Ouais, cool. Tu peux sortir, mais tu pourras pas rentrer. C'est énorme, ça. Bref. Voilà, donc on va acheter des gens de voiture. Et le bateau qui était très dur aussi à faire en termes de permis, parce que franchement, ouais, c'était la galère. Mais c'est un RPG de toute façon. Ah, mais sérieusement, le nombre de choses qu'il y a à faire dans ce jeu, c'est quand même énorme pour l'époque. Voilà, améliorer ton personnage. Bah, les armes. L'amélioration des armes, l'habilité de chaque arme possible imaginable, c'est pareil. Bon, bien sûr, on a fait les connards, on les a boostés. Voilà, parce que pour avancer plus vite, hein, voilà, on est obligé. Mais sérieusement, même avec les codes, c'est moi qui jouais tout le long et j'ai galéré. Ouais. En même temps, faut dire. C'est peut-être parce que c'est toi qui jouais tout le long, justement. C'est peut-être pour ça. Voilà, c'est peut-être pour ça. Donc là, on va aller faire la mission. Non, demi-tour. Demi-tour. On va aller faire un saut en parachute. Tu vas aller à la montagne? Non, je vais aller dans un bâtiment qui est là-bas. Ok, à gauche donc? Non, toujours tout droit par l'autoroute, ça aurait été pas mal. Ok, allez, petit saut. Non, ça non, c'est. Oh là là. Petit muret surtout. Petit muret. Oui, alors voilà, toujours les flics qui nous emmerdent du mieux possible quand on joue. Hein. Franchement, même le cycle climatique, encore aujourd'hui, je le trouve qu'il est super bien fait. Ouais. Avec le brouillard, les petits fragments de brouillard, qui c'est quand même énorme. Hein. Pour l'époque, ça... Enfin, ouais, pour l'époque, c'était bien, mais ça cassait pas non plus trois pattes à un canard. Ah hein, bah ça, c'est sûr. Franchement, mais... en même temps, c'est GTA. Ouais. Donc, ça a toujours été... graphisme pas non plus exceptionnel. Bah ouais, mais tu payes la grandeur de la map. Hein, exactement. Et on va remonter la map vite fait. Voilà, alors, franchement, non, c'est pas là. Il y a plein de choses au-dessus, gros, au-dessus. Voilà, t'énerve pas. Voilà, c'est là. Ne zoomez pas, le zoom, voilà. Très très long. Très très lent, putain. Voilà, et on au max. Hein. Donc là, c'est la deuxième partie de la ville. De la première. De la première, ouais. Après, donc là, voilà. À gauche, en haut, à gauche, la deuxième. Donc il y a trois parties de. Il y a trois îles. Los Santos, on débute, qui est une réplique de Los Angeles. San Fierro, la deuxième de San Francisco, avec le pont. Ce pont-là, là, c'est celui-là. Ce pont-là. C'est celui-là, je crois. Ou l'autre, je sais plus. Ou lui-là, c'est l'un des deux.
Et la troisième, c'est Las Venturas, qui est une réplique de Las Vegas avec ses casinos et les villas des riches et tout le tralala. Et les voitures qui vont avec. Et le désert, qui avait, il y avait l'aéroport que tu pouvais acheter. Voilà. Ouais. Donc c'est une carte immense, hein, même plus grande que GTA 4. Bah oui, GTA 4, justement, ils sont réduits parce qu'il y avait tellement de bugs dans celui-là que. Mais franchement, ce jeu, il y avait tellement de choses à faire. Et ben, ouais. Puis la map de GTA 4 est plus petite, mais ouais, beaucoup plus détaillée. Il y a beaucoup plus de petites ruelles. Oh, putain, c'est vrai que c'est fermé. Eh oui. Oh, faut que tu descendes. Faut que tu descendes par là. Bah, droite, ouais, droite. Ah, dommage. Bah, c'est là. Ah, bah non, bien joué. Il y a une bretelle. Et pas de salopette, hein. Bon, oh, c'est fermé. Putain. Oh non! Non mais t'es sérieux toi? Oh non! Non mais t'es sérieux, t'es en train de crever à oh, petit putain. Feu. Oh là là, mais c'est bon, on va se retrouver directement. Oh punaise. C'est bon, on va se retrouver au point de sauvegarde vers la mission. Voilà. Non mais franchement. Non, oh mais non, franchement, mon Dieu, c'était fait exprès. Voilà. Je me suis suicidé, je me suis jeté moi-même sous mes propres. On se croit dans Worms. Tu t'es encore suicidé, t'en as pas marre toi? J'ai pas fait exprès. Voilà, donc non mais. Tu veux que je t'emmène voir un psy ou. Oh, tiens, pendant que je parle du problème d'ambulance, on peut parler des missions de annexes de véhicules. Ah oui, toutes les missions secondaires. Bah, franchement, il y en a énormément. Bah, comme dans tous les GTA. Voilà. Donc on a ambulancier, flic, taxi, pompier, pizzaiolo. Ah, pizzaiolo. Si, il doit y être. Le poulet, là, le chicken, je pense. Ouais, il doit y être, je pense. Y a quoi aussi? Y a toutes les courses annexes avec les. Sérieusement. Avec tous les vélos, les courses de voitures, les lowriders aussi, ceux qui font. Ouais, les lowriders. Voilà, il y avait ça. Et tout ça, ça servait à améliorer en quelque sorte l'habilité de tout ce qu'on faisait. Hein. Les véhicules. Ouais, l'habilité de conduire. Ça pouvait nous débloquer des véhicules aussi. Oui. En finissant par exemple le stade de Rescar. Ah oui, on avait trois stades exacts. Et on débloquait les voitures après. Ouais. Qu'on utilisait tout le long du. Mais que j'aimais pas plus que ça, tu vois. Bah, c'est des voitures de NASCAR, hein, donc. C'était inconduisible. Inconduisable. Conduisable. Je sais pas. Ouais, mais c'est vachement bien comme jeu. Je t'emmerde. Bon, je vais me barrer cette ambulance parce qu'elle me saoule. Ouais, bah oui, double bonus de. Tu vas finir sous ta bagnole. Non, mais franchement, il y a plein de choses à dire. Alors, au niveau de la durée de vie. Elle est gigantesque, hein. Bah ouais, 40 heures pour l'histoire principale, sans se soucier du reste, et après ça se compte le double. Centaines ou même 150, 200 ouais, heures de jeu si vous en voulez prenant profiter bien au maximum. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a plus de paquets cachés, mais il y a des tags. Il y a les tags à Los Santos, les photos à San Fierro et les fers à cheval récupérés à Las Venturas. Voilà, donc franchement, au niveau de la récupération d'objets, on n'était pas, comment dire, je vais pas y aller à l'alpinage parce que ça va pas être possible. Non, non, non. Ah putain d'alpiniste. Bah si, ça se tente. Rien d'alpiniste. Sans pioche. Putain. Sans piolet, c'est mieux. Sans piolet. Ouais. Oh, Lara Croft. Oh. Non mais franchement, au niveau de la durée de vie, on était servi quand même. Mm. Après. Ah, pour peu que tu t'y intéresses vraiment, ah, que tu essayes de pousser le truc au bout, oui. Voilà. Pour améliorer ton personnage à fond, les salles de muscu, on pouvait farmer la salle de muscu... Même pas tant que ça, il fallait y aller une fois par jour pendant un certain temps. Ouais, ça devait être 3 heures à peu près. Enfin, en gros, c'était 3 heures, c'était pas calculé en nombre d'heures. 3 minutes réelles et 3 heures dans le jeu. Mm. Donc voilà. Mais franchement, ça, rien que d'augmenter l'habilité avec toutes les armes, l'habilité du personnage en lui-même, sans tricher. Parce que moi, je sais que quand je l'ai fait, je trichais pas, hein, sauf pour me soigner. Mais bah non, mais sans tricher, mais tu fermais la salle de muscu, voilà. Tu la faisais, tu allais sauvegarder 2-3 fois et tu retournais. Après, quoi. Pour les armes, pareil, on se mettait dans un coin au-dessus d'un. On se mettait un petit peu à couvert, on attirait les flics et on tirait avec toutes les armes. Et voilà. Bah, comment farmer simplement putain, hein. Lui, là, je suis coincé dans l'herbe. Mais t'avais l'école pour les armes aussi, je suis complètement con, mais t'avais dans les centres. Les centres de tir. Comment ils s'appellent les centres de tir? Oh le con. Ammunition. Ammunition. Comme dans tous les anciens. Eh oui. Qui est une réplique de la National Rifle. Je sais plus comment ça s'appelle aux États-Unis là. Oh là, tu t'es embarqué dans un truc. Je sais pas, bah voilà. Ce qu'il avait critiqué, Michael Moore. Ah oui, oui, voilà. Oui. Enfin, Bowling for Columbine, enfin bref. Ça c'est autre chose, mais voilà, il y avait énormément de choses à faire. Après, les graphismes, comme on a dit, c'est pas top. Les textures apparaissent au compte-goutte. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. N'empêche qu'il y avait eu un portage Xbox, si il me semble, hein,
sur ce jeu. Oh putain, alors là, je pourrais pas te dire. Il me semble, il y a eu un portage Xbox et il était nettement plus beau. Il était mieux géré. Ouais, exactement. Mais ça restait quand même vieux. Ah, mais là, sur PS2, t'avais des chutes de framerate, t'avais tout ce qui allait avec, quoi. C'était. Ouais. Ah oui, alors je vois une petite maison sur la map. On pouvait acheter presque des tonnes de bâtiments. Oh, il y en avait une trentaine, je crois. Il y en avait une chier, hein, carrément. Ouais. Et ça coûtait, il y avait ça allait de la vieille baraque pourrie. La moins chère qu'on a acheté là, c'était au début, elle était à 10 000, je crois. Voilà. Et après, ça peut monter à des 300, 400 000, hein, fois des millions après. Mais vu que l'argent se gagne extrêmement facilement après, au fur et à mesure que tu avances, plus tu as de l'influence, plus tu gagnes de thunes. Ouais, bah tiens, la guerre des gangs. Voilà. On en a pas parlé. Nouvelle fonctionnalité. Territoire. Guerre de territoire. À Los Santos. À Los Santos, sur la première île, qui est une énorme fonctionnalité. Dans GTA, hein, parce que ça augmente grandement la durée de vie. Et c'est lourd à faire, c'est répétitif. C'est répétitif, mais si on s'y attelle aussi, bah, c'est pareil. Et bah, tu fermes tes armes, ça te fait gagner vachement de thunes. Ouais, énormément d'argent. Et après, je sais plus ce que ça te rapportait si tu finissais entièrement le. Je sais plus du tout. Oh, tu devais avoir des armes à domicile ou un truc dans le genre. Ouais. Oh, on va s'acheter la petite ferme. L'agriculteur CJ. Ah, c'est vrai que niveau thune, t'es bien, toi. Voilà. Mais franchement, ce jeu, il était super bien noté à l'époque. Oh putain, mais non. C'était 18 ans, Brian. Descends de là. Bah là, tu descends de là. Tu vas encore crever, putain. t'es chiant. Ah, c'est mais c'est la dernière non. fois que tu joues pendant un test. Ah, mais non, mais. Non, mais désolé, quoi. Mais. On peut dire encore plein de choses sur ce jeu. Bah, on va aller faire une mission. Voilà, le déroulement. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Bah, elle peut prendre la voiture, je lui ai volé quoi. Ouais, non, mais attends. Mais on est en pleine cambrousse, c'est moi ça là. Tout droit. Ouais, non, il y a de l'eau. Mais voilà, ça passait, je suis sûr que ça passait. T'es sûr ? Mais oui. Mais non, ça passait pas. Mais si, ça passait large. T'es sûr ? Direct. Allez, dans l'herbe, hop là. Bien joué. Voilà. Et on n'a pas de moto. Ah, voilà, les motos, il y avait toujours les mêmes motos qu'on adorait, là, la motocross. La Sanchez. La Sanchez. Qui fait toujours le même bruit depuis Vice City. Uh-huh. Et qui est super utile pour le tout terrain, parce que franchement, c'est la seule qui est valable. Même les 4x4, ça le fait pas. Oulala. Ouais, tu te démerdes super bien, gros. Mais regarde, hop là, j'ai cassé des arbustes. Ah putain, les vignes. Bah voilà, il y avait les cascades uniques aussi à faire. T'en avais. Comme dans les anciens. 50. Ouais. Cascades uniques. Mais il y avait des cascades qu'on pouvait réaliser qu'avec certains véhicules. Ah oui, bah celle que je voulais te faire voir tout à l'heure, c'était seulement avec la moto la plus puissante du jeu, sinon ça passait pas. Voilà, exactement. Bien joué. Non mais j'ai garé ma voiture, regarde, elle est garée. Elle est où ? Elle est là, elle est garée. Elle est garée. Elle est garée. C'est un problème ou quoi ? Bah ouais, on va acheter la maison pour montrer. Ah oui, alors point de sauvegarde, c'est dans les baraques, hein. On peut directement sauvegarder comme dans Vice City via un point de sauvegarde interne à la maison. La vieille baraque de merde, 20 000. Déjà. Voilà, c'est quand même une baraque de vieux schnock, hein, avec le mec au chapeau, le brin de paille dans la bouche. Ah bah écoute, il y en a qui aiment bien. Il voilà. Y avait quand même des tracteurs à piloter, c'est quand même énorme. Exact, la moissonneuse batteuse. Oh là là, mais sérieusement. Eh, la petite téloche, ouais, le point de sauvegarde là, c'est la petite disquette qui va bien. Oui, les codes sont activés, mais on s'en fout. Ah, mais memory card PS2, bah oui. Nous sommes sur PS3, hein, évidemment. Ouais, on l'a téléchargé sur PS3. Hein, pour le prix de quoi ? 10-15 euros. Un bras. 15 euros, c'est du vol. C'est vraiment du vol. Voilà. Donc, ça doit être libre de droit, je veux. Ouais, mais bon. Mais bon. Ça, c'est autre chose. Ouais, bref. Donc, on va s'atteler à l'émission. Mais il y a des tonnes de missions aussi qui sont plus ou moins difficiles. Elles sont pas du tout répétitives. Ça change tout le temps. Et franchement. Ah ouais, non, mais oui. C'est carrément énorme. Hein. Ah bah ouais, l'ammunition. On va. Non, ça, c'est la bouffe. Non, c'est l'ammunition. Ah bah la bouffe est juste à côté. On va lâcher quelques armes. Hein. On va pas faire le code d'armes que tout le temps, ça va pas être drôle sinon. Allez. Ah t'as pas de centre de tir d'ailleurs. Non, super. Ouais, tu me diras, tu peux acheter vu la thune que t'as. Oh putain, ça va être long. Non, tu fais quoi. Oh là là, c'est long. Ah. Oh la putain. Voilà. De toute façon, pour la prochaine mission, t'as juste besoin de ton appareil photo. Oui, c'est vrai. Et je vais prendre quand même le Uzi. Au cas où. Histoire de, hein. On sait jamais. Ouais. Ah, c'est la mitraillette.
Bon, de toute façon, les armes sont améliorées. Oui, alors, l'habilité avec les armes, c'est super utile parce que sincèrement, au début, on est vraiment une brêle en utilisation des armes. Par exemple, ça, on utilise une mitraillette comme ça ou la Kalachnikov. T'as l'impression que c'est du coup par coup au début. Mais exactement, et puis le mec il la tient d'une façon. Putain, c'est super lourd, ça pèse 3 tonnes. Non, mais sincèrement, l'habilité est super, super importante. Hein. Oui, alors, une nouvelle fonctionnalité aussi. Comme vous pouvez le voir, la coiffure. Ah oui. On pouvait se faire tatouer toutes les parties de son corps, enfin sauf le bas, mais tout le haut du corps. Ouais, tout le haut du corps. Et changer toutes les coiffures possibles et imaginables. Les vêtements. Les vêtements, on pouvait acheter des tonnes de vêtements, faire notre propre personnage. Enfin, franchement, il n'avait aucun personnage qui ressemblait. Hein. On pouvait faire un gros mec qui sert à rien, un gros balèze qui allait baraquer, ou alors un obèse. Voilà, donc c'était quand même énorme hein, pour l'époque. Autant de fonctionnalités dans un jeu comme ça. Ah bah c'était une révolution de toute façon. Hein. Ah mais révolution. On s'est pris une sacrée claque après Vice City quoi. Enfin comparé à Vice City. Ouais. Les Badlands. Jack Vice City nous avait mis une sacrée. Ah il y avait eu une sacrée pêche parce que le fait d'avoir des motos. C'était énorme. Pour l'époque c'était énorme. Exactement. Et là il n'y avait que le dodo qui était utilisable dans Vice City. Et oui, c'était le dodo hydravion. Voilà, le seul avion qui volait. Oui. Puis il volait correctement. Dans le 3, il volait très très mal. Oh putain, non, il fallait faire planer hein, dans le 3, c'est du planète. Ah, mais dans le 3, mais attends. Les concours de plane. Hein. Oui, justement, j'ai passé peut-être 12 heures avec mon pote Seb et bah non, je l'ai planté. Il y avait un concours sur le magazine PSM3 où il fallait faire voler le dodo le plus longtemps possible sur GTA 3. Il y avait des gars qui avaient fait 24 heures, nous on avait fait je sais plus combien, et je l'avais planté. Parce que c'était nuit blanche sur nuit blanche, et on n'en pouvait plus, et je l'avais planté. Oh putain, faut monter la montagne. Oui, faut monter la montagne. Et ça, avec ça, ça va pas le faire. Il me faut une moto. Monte à gauche, ouais, et il y a des motocross. Juste là. Et ça, c'est une course qu'on peut faire après. Tu peux grimper. Ouais. Et il n'y a pas de moto, parce qu'elles sont derrière toi, je crois. Non elles Ah non, elles sont là. Vers le mobilhome. Donc, on va essayer de faire la mission. Hein. L'appareil photo, je crois que c'est le seul épisode où il y en a. Dans Vice City, il me semble pas qu'il y en avait. Je me souviens pas. Parce que Vice City, on n'avait pas farmé autant pour avancer. Je me souviens plus. Donc voilà. Mais franchement, je pense que personne ne l'a pas fait, hein, ce jeu, parce que il est tellement mythique. Non, mais il est à refaire. Et si vous l'avez pas fait, bah, faites-le. Vous pouvez même pas, vous n'avez pas besoin de passer par Vice City ou GTA 3 parce que c'est un autre jeu. Alors franchement, c'est carrément bah, différent. Oui, hein. C'est un autre jeu. Après, si tu connais pas. Non, ça t'est en dessous. Ça t'indique la route, en fait, les petites barrières. T'es sûr? Ouais, c'est certain. Attends. Ah non, je te dis de conneries. Si, c'est en bas. Le triangle est en bas. Ah, tu vois, je te dis pas de conneries. Ok. Tu m'écoutes un peu de temps en temps. Tu vas te prendre ta branlée à voir, c'est toi encore, tu vois. Non, mais c'est pas vrai ça! Bon! Bref! On n'est pas sur Worms, hein? On est sur GTA. Oui, alors le problème, vous voyez quand même, hein, il tient quand même son arme d'une façon assez rigide au guidon de la moto. Hein. Ah, ça va! Ça va, hein, oui! Et là, faut que tu sois discret, ma grosse. C'est pas ta spécialité. Il est à l'intérieur, faites-le sortir. Ah, bah oui, on va essayer. Ah, tu le shoots direct par contre, parce que sinon, tu es obligé de le poursuivre pendant une heure. Ah mais faut que j'esquive les gars de sécu quoi. Bah non, tu les butes tous. Ça va passer je pense. T'es sûr? Bah oui. Faut que je le prenne en photo. Ouais, une fois qu'il est mort. Donc c'est pour ça que je t'ai dit bute les tous. Ok, mitraillette. Lance roquette. Mais j'ai pas fait le code, j'ai juste acheté deux armes. Ah mais oui, exact. Allez. Visez-le. Voilà, allez hop. Hop. Il est dedans. Allez. Là, il va sortir. Ah oh, putain, ouais, il est là. Allez, loupe-toi pas, loupe-toi. Ah oh, punaise. Tu pouvais esquiver ça. Allez. Ta moto. Putain, ouais, mais t'as vu où il m'a foutu. Ouais. C'est pas grave. On y va. Et là, tu shootes en étant en moto. Et voilà, donc ça c'est typique des GTA. Hein. Ah, mais t'es chiante cette émission, mais je l'aimais pas. Ah, mais tu pouvais shooter à tout moment quoi. Regarde ça! Oh putain! Suis. Ça continue? La barrière t'inquiète.
Fais-moi confiance. Putain, putain. Oui, va, je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre. Regarde, il va descendre de... Putain, mais il est super loin. De la montagne à cheval. Oui, ça va être ça. Mais il va descendre. Non, il monte. Accélère, accélère, accélère. Non, mais il monte. Je sais plus. Mais si, il va descendre. Je vais l'attendre. C'est une embuscade. Tu l'attends en bas, avec un lance-roquette. C'est une embuscade. Putain, mais ça fait chier cette moto de merde là, regarde-moi ça. Pas d'habilité. Ouais, bah oui. Ah putain. C'est pas grave, on y retourne. C'est pas grave. Bah, comme dans Vice City, on a raté des missions plusieurs putain, fois. Putain, tu fais des épiques fails. Sans déconner. Eh, hey, mais, eh. Hey. Ah, mais je te hais. Bah quoi, tu veux jouer? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Attention le poteau. Oui, alors, les poteaux en bois ne sont pas destructibles. Bizarrement, les poteaux en ferraille le sont. Hein. C'est comme les anciens, c'est pareil. Hein. Le bois est plus solide que le métal. Mais moi, ça me paraît normal. T'es sûr? Mais oui. Ah, c'est comme être un petit cochon. Pourquoi? Bah, ah, la maison en bois et tout. Ah putain, la référence, gros. Merde. Bah, je sais pas. C'est peut-être ça. Non, oui, non, mais je pense qu'ils sont basés là-dessus pour faire GTA. C'est vois. Ça. Ouais, je pense qu'ils sont basés sur l'histoire des petits cochons, des trois petits cochons. Le point primordial. Voilà, je pense que c'est ça. Enfin bref, bon là il y a une flopée de missions à faire. Il y a un petit peu de chaperon rouge aussi. T'es trop con, Chris. Me dis pas des trucs comme ça. Sérieux. Oh là là, qu'est-ce qu'on se marre. Allez, on y retourne. Bon, cette fois-ci je pense que ça sera mieux. Putain, mais sérieux, cette mission de merde là aussi. On commence pas par la meilleure. Hein. Ah bah non, c'est sûr. Attention. En même temps, tu l'aurais réussi, on en serait une autre, hein, mais bon. C'est possible. Flèche rapide, flèche de droite. Parfait. Tu vois, je t'avais dit. Ouais, tu l'avais dit, mais c'est pas un taxi. Non, mais je t'avais dit qu'il y avait un trajet rapide. Ah putain, tu m'énerves. Mais j'avais jamais dit non. Allez, bute-les tous là. Donc, tu rentres par là et tu ressors direct. Tac, tu ressors. Hop, hop, hop. Descends. Shoot sa voiture. Ah. Shoot sa bagnole, bordel. Te laisse pas faire, te laisse pas faire. Et oh putain! J'ai popé à l'autre rythme. C'est pas grave. Regarde! Au même hauteur. Vite, vite, vite. Oh le respawn de merde! Alors il va. Il va encore se planter, putain. Mais non, je vais longer le mur. Regarde, je longe le mur. Ah putain. C'est bon, je vois. C'est vas-y, là. Vas-y, vas-y. Pas trop mal. C'est chaud. Y a pas d'habilité à moto. Mais c'est bon. En Sanchez. Ah mais là, ouais, il y a pas de code. Et ouais. Et tire-moi dessus là. Voilà. Bon. Il doit pas être identifié. Hein? Avec un main. Faut couper la tête. Oh. Bon bah en fait on va même pas vous faire de mission je pense. Non non mais au moins vous voyez il y a les fonctionnalités qu'il y a. Quand on saute d'une falaise on meurt. Oh putain merde. Ouais epic fail. Oh là là. Bon allez. On va prendre une arrêt vite. On la tente une dernière fois. Pour vous. De toute façon on aura quoi d'autre à vous dire sur le jeu. Bah de toute façon on peut pas montrer grand chose vu que là on est vraiment pas super dans le jeu. Même si on a avancé très très vite pour atteindre cette zone. Ouais. Bon après on peut faire du Beijing, tout ça, il y a des avions de chasse, des avions de ligne. Ouais, mais on peut piloter même le gros jet, le gros Boeing. Le Boeing, le carrément. Boeing. Et ça... Moi je suis français, j'appelle ça des Airbus, je suis désolé les connards. Ouais mais bon. Airbus c'est français, Boeing c'est anglais, je sais pas. Mais... C'est américain mais putain il est con. Bah c'est pareil, oh là là. Con. Allez, on mais y va. Non, c'est comme si tu dis les NEM c'est anglais, c'est complètement con. Tu passes pas le muret. Ça se tentait. Ça se tentait. Moi je dis ça se tentait. Allez. Le gars se pourrait se suicider en sautant d'un trottoir. Bah, c'est fort possible. Ah merde. Allez, on y retourne correctement cette fois-ci. On suit le chemin, ça se prend une arme. Ça se prend une arme. Ah bah si. Tu t'as même pris deux, tu sais. Ouais, mais je te dis, je suis un bûcheron. Comme dans Romance. Je coupe des arbres. Allez, on y va. D'ailleurs, à propos de bûcherons,
enfin à propos de bûcherons paysans, tout ça, on a décidé un truc avant de faire la vidéo, c'est que notre prochain test, ça sera sur Farming Simulator. On l'a dit, on le fera. On le fera. On le fera. C'est un jeu de merde, hein, il faut le dire. On va se marrer. On va Mais je pense qu'il y en a qui doivent apprécier, hein, dans le milieu de l'agriculture. Oui, bah ouais. Bah, je suis pas agriculteur. Bah, moi non plus. Et je suis mort et j'ai pas de code. Hop là, la magie du jeu. Des petits codes, quelques armes. Ouais. Voilà, parfait. Oh, tu prends ton lance-roquette et t'exploses sa putain de bagnole. Oui, je vais le faire. Il est là. On va prendre la voiture. Allez là. Mais t'es sérieux? T'inquiète. Non, mais je peux pas le tuer, j'ai pas le droit de le tuer. T'inquiète. Je dois pas le tuer, gros. Oh putain, mais si, tu dois le tuer en plus. Mais dans la voiture. Tu mets juste la voiture en feu. Ouais. Mais faut pas qu'elle explose. Parce qu'il faut juste lui tirer dans la tête en fait. Non. C'est sûr que non. Je me suis... bah, franchement. Tu mets juste là, vas-y, tire. Voilà, encore un petit peu. J'ai plus beaucoup de munitions, ça peut le faire. Tu vas crever, voiture. Allez. Voilà, et là, tu le butes. Voilà, et tu prends ta photo. Voilà, c'est bon, maintenant on va y arriver. Hein. Et on n'a pas l'appareil photo. Parce que t'as fait le code d'arme. Putain. Regarde où il est l'appareil photo. Tu t'en fous, tu sais où il est. Eh, va chercher l'appareil photo. Oh non, mais c'est une blague. Mais putain. Mais putain. Non, je suis mort. Non. Carotte sur montagne, t'inquiète. Voilà. C'est du rappel, tout va bien. Ouais, c'est du rappel. On y va. On n'est pas mort. Allez. Oh là là. Ah, mais c'est n'importe quoi! Bah alors, bah, si tu récupères par l'appareil photo, tu fais comment pour le prendre en photo? Non, mais je sais très bien que c'est logique, mais. Bah voilà! Ça rend, c'est la bombe à tag là! Putain, sérieux! Oh là 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 là! Bon, désolé les amis, c'est pas un gameplay à la hauteur de vos espérances, on s'en fout en même temps. Hein. C'est pas à la hauteur de la mienne non plus! La prochaine fois, je joue! Eh bah oui, bah joue, y'a pas de soucis! Franchement, hé! Hey. Ah mais c'est bon, on se marre. Sans déconner. Call of Warm GTA, t'es mauvais partout toi. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Hey, Call of, ça sort, je m'en sors pas plus mal que toi. C'est-à-dire qu'on a un ratio de 0,8, voilà. Putain, mais comment t'as fait pour oublier l'appareil photo? Je l'ai pas oublié, j'ai juste fait le code. Et oh, c'est reparti. Bon, la mission n'est pas réussie correctement, mais elle est réussie. Bah, elle sera réussie. Voilà. En plus, ça t'indique où il est, donc tu sens pas de perdre. Ah, ben, c'est bon, j'avais qu'à monter la montagne. Et pas à cheval cette fois-ci. Non, c'est. Sans moi, cheval. Je sais. Oh putain. Ah là, putain, qu'est-ce qu'on se marre de bien. Ah, ça a bien se passer. Allez, est-ce que la route, on peut l'atteindre? Large. Là, elle est juste là, tu sais, déconne pas. Non. Mais si, elle est juste là. T'inquiète pas, regarde, voilà, t'es dessus. Ouais. Oh, en plus, il y a de la brume et tout. Il fait tout noir. Ah, style, c'est ça qui te... Ça me perturbe. Ouais. Regarde, ça va être ça. T'as vu, je vois rien. Oh, merde. Ouais, faut retrouver la route, tu sais, sérieux. Mais ça va, c'est indiqué sur le raté. Non, mais faut retrouver la route. On va faire le code du jetpack au bout d'un moment. Hein, comme bah, ça, on va faire. Enfin, on fait voir le jetpack. Ouais, allez, alors, attends, faut pas que je meure. Vas-y, oh, bah là, je suis coincé. Vas-y. Alors, jetpack, c'est. Il est où? Vas-y, donne-moi le code du jetpack. Il est où? Jetpack. Il est où? Jetpack. Tu l'as vu? Non. Il est parce que pour vous expliquer, on regarde sur internet en même temps. Voilà, donc. Hydra Hunter. Mais il y est! Là, c'est bon, allez, jetpack. L1, L2, R1, R2, au bas, gauche, droite, L1, L2, R1, R2, nanana. Et ben je l'ai raté. Ah putain, epic fail. Voilà, allez, tu sais comment ça se conduit? Bah, X pour accélérer. Voilà, allez. Et ça, franchement, c'est génial. Mais ça, c'était énorme. Mais c'était énorme. C'est tellement plus simple comme ça. Ah oui. Et on court! On peut pas courir! Si, t'accélères en même temps! C'est énorme! Voilà, il est là le coco! Franchement, ça c'était génial! Et je sais même plus où on le trouvait dans. Quand tu faisais la mission dans un centre militaire. Comment ça s'appelait? Là où ils ont retrouvé Roswell, c'était l'area. 51. 51, ben voilà, ça s'appelle l'area, je sais plus quoi. Allez, hop! En jetpack, ça ira bien!
Bon, on monte dessus, on y va. Et ça, franchement, pour terminer l'émission... Ah, mais ça, c'est énorme. Voilà. Bon, là, c'est cheaté à mort, hein, mais franchement... mais attention, les armes. Oh, c'est joli. Non, c'est pas joli, non. Non. C'est alors, vraiment pas joli. Ah non, c'est laid, ça, c'est sûr et certain. Regarde, on passe dans les arbres, hop là. Pixels qui s'emboîtent les uns les autres. Non, ouais, ils sont du Lego. Tous là, putain. Ah là là, sérieusement. Non, mais franchement, ce jeu pour l'époque, il... Mais oui, il y a trop de choses. Je sais pas si c'était celui-là qui devait avoir 19. Ils n'avaient pas atteint la perfection, mais limite. Bah, sur... je reprends pour référence PSM3, il avait été noté 21 sur 20. Voilà, donc... Oh merde! Oh là là là! Hey, ah, mais que ce soit la moto, la voiture, cascade. Le bateau, tout ce que tu veux, toi tu sais pas le faire. Hein. Et voilà! C'était une mission qui ne servait pas. Bon, juste avant ça de l'histoire, c'est tout. Exactement. Voilà, donc c'était magnifique. Bon, je crois qu'on vous a de toute façon à peu près tout dit. Voilà, mais franchement. Oh bah tiens, si, retournons au haut de la montagne avec le jetpack. Histoire de finir sur un petit saut en vélo parachute. Putain, à gauche. À gauche. Allez, on y va. Mais il le tient d'une façon super bizarre, le jetpack, quand même. Bah, une main. C'est pas normal. Ah bah non, c'est pas normal. Allez, on y va. Coco. Allez, mon coco. Et est-ce qu'il avait une réserve limitée, le jetpack? Non. Non, c'était un véhicule à part entière. Oui, c'était un véhicule à part entière. Ok. Ils ont pas mis Josh descendre dans la voiture, ils vont pas le mettre sur le jetpack, quand même. On espère dans le 5, ce serait bien. Oui. Franchement... Ah, ça, ce serait une grande avancée. Imaginez avoir un réservoir d'essence... Pour toutes les bagnoles, tu montes dans la bagnole, bah, il vous reste tant d'essence, ça rajouterait quelque chose quand même. Bah, d'immersion totale. Ouais. Et franchement, ça c'est un point que. Je sais pas s'ils y ont pensé ou pas. Bah, ils en parlaient déjà pour le 4, ils en parlaient pour San Andreas aussi, ils l'ont pas fait encore. Bah, on va voir. Sachant que Rockstar écoute pas mal leurs fans. Ouais, ouais. Donc. Ah oui, j'avais l'observatoire. Non, c'était l'observatoire, c'est ton petit tremplin. C'est un mémorial en fait. Ouais. Bon, ouais. Tous ceux qui sont jetés d'ici. Adieu ton parachute. Hein. Ne l'oublie pas. Ouais, tu courais super vite avec le jetpack. C'est énorme. Ça. Hop là, on le lâche. Non, mais je veux pas la voiture. Parce que vu qu'on est obligé de faire triangle pour lâcher le jetpack. Dans ta gueule. Alors, elle va pas nous saouler, elle, c'est encore ta grognasse là. Voilà. Michel. Non, pas Michel, Denise. Denise. Voilà, non, voilà. Il est où le parachute? Tu viens de le prendre. Il est là. Bon, BMX. BMX, ça me paraît normal. Voilà, et on va aller tout droit. Et on va aller tout droit, histoire de se quitter sur un beau saut. T'es sûr? Bah, je suis sûr, je l'ouvre. Ne te loupe pas. Non, bien joué. Je l'ouvre pas. Je ne l'ouvre pas. Ah, mais ça, mais le piqué. Non, j'ouvre quand je veux. J'ouvre quand je veux. Quand je l'ouvre. Quand je l'ouvre. Ra. Maintenant. Et boum. Voilà. Qu'est-ce que c'était beau. Ah. Et j'aurais pu le réussir. T'as fait la même tout à l'heure. T'aurais dû. Et j'aurais dû. Oh. Ouais, bah elle nous saoule, le grognasse. Réponds pas, vas-y. Non, je t'emmerde, putain. Un iPhone de merde. Vas-y, donne-moi ta moto, toi. Vas-y, Renoir. C'est pas grave, mon frère. On est tous pareils. Donc voilà, bah les enfants, on va se quitter là-dessus. Hein. Bah oui. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. Oui, il y avait des petits camions tremplins aussi qui étaient juste énormes hein, au passage. Hein. Exact. Quand on en voyait un, bah, on fonçait direct dessus. Là. Ouh, je vole et j'ai pas. Voilà. Donc, mes chers amis, je pense qu'on va s'abandonner là. Hein, et puis, on va se revoir très très vite, sûrement. Pour d'autres tests, je sais pas encore sur quoi, parce que comme on a dit la dernière fois, c'est une période critique pour les sorties jeux vidéo, là, y a pas grand chose. Bah ça sera peut-être pas du test la prochaine fois, ça sera du GTA 4 en ligne ou du Worms, parce que apparemment vous avez bien aimé, donc on va peut-être vous refaire du Worms, mais cette fois à 3 ou 4. Voilà, donc avec des personnes extérieures à la chaîne. Voilà, extérieures à la chaîne, et sans doute on fera ça, on fera des défis alcoolisés dessus. Voilà. Donc bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais vu qu'on s'en bat les couilles, bah, on fera ça. Donc voilà. On s'en bat les couilles. Rien à foutre.
Bon, bah, les enfants, n'oubliez pas de mettre des commentaires, des j'aime, d'en parler autour de vous, de partager, de vous abonner, tout ça, quoi. Enfin, oh, putain, j'ai été fauché, sa mère. Putain, mais non, qu'est-ce que t'es mauvais. Mais c'est... Hey, tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai pas vu. Mais bien sûr, je l'avais vu. Plus de grammes d'alcool que moi dans le sang, et en plus, tu sais pas conduire, alors ferme ta bouche. Enfin, bref, regarde, je suis dans la forêt, et on va se quitter dans la forêt, dans les broussailles. Exactement. J'ai arrivé un enfant. Donc... Se marque du trou de merde. Bah voilà les enfants, on vous fait plein de bisous, puis bah on se retrouve une prochaine fois. Ciao, 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 des bisous. Tout le monde.